m'appelle Enzo Milesi, j'ai 20 ans et je suis en équipe de France de saut à ski. J'habite à Nancy-sur-Cluse, ici, en Haute-Savoie. Alors le saut à ski, c'est un sport d'hiver qui vient du ski, hein, mais c'est un sport où le but c'est de sauter le plus loin possible, en étant le plus propre possible, et donc on est jugé sur la distance et sur le style. J'ai commencé le ski alpin à Nancy-sur-Cluse et mon coach a fait les Jeux Olympiques de saut à ski, donc qui s'appelle Jérôme Gay. Du coup, il nous a emmené faire du saut à ski aux Ouches. Et puis au début, on faisait du saut à ski et du ski, puis j'ai accroché de plus en plus avec le saut. Et puis je suis allé de plus en plus au saut et de moins en moins au ski. Et du coup, le choix s'est fait assez naturellement. J'ai vraiment accroché sur ce sport, quoi. Parce que le plaisir que ça procure, clairement, on vole. Et c'est quelque chose que plus ou moins tous les êtres humains recherchent. Et du coup, on a vraiment ce plaisir-là de vol. Et puis la deuxième chose, c'est la compétition. Et c'est deux choses que j'adore. Et du coup, c'est fait que j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Et je continuerai. Alors, je suis double champion de France, deux années consécutives. J'ai terminé 7e au championnat du monde junior l'année dernière. Et puis mon record en distance, c'est 140 mètres. Je me suis blessé il y a 2 mois, je me suis fait les ligaments croisés. Donc pour cet hiver, ce sera pas possible de partir en compétition. Mais après, déjà, ça va être de revenir sur les skis. Et puis après, d'essayer de retrouver mon niveau et puis de revenir dans la course, comme on dit. Je suis né ici, j'ai grandi ici à Rome. Et forcément, la station elle était à côté de chez moi, donc c'est la station où j'ai commencé le ski, où j'ai skié toute ma jeunesse. Après, maintenant avec le saut, je fais de moins en moins de ski alpin, mais je viens quand même quelques fois skier. Et ouais, vraiment, Nancy, c'est le village où j'ai grandi, c'est là où je m'entraîne quand je suis pas sur les sites d'entraînement. C'est ici que je viens faire de la montagne, c'est ici que je viens faire les choses qui me plaisent. Et puis je pense qu'on a un super terrain de jeu, donc c'est vraiment sympa d'habiter ici de toute façon.